Famille, l'Italie veut aider le Burkina Faso à finir avec le terrorisme. L'Italie veut aider le Burkina Faso à finir avec le terrorisme. Bon, famille, vous savez tout ça. Hein? L'Italie et la France en ce moment, là, c'est les clashs. L'ancien ministre italien accuse même la France d'avoir voulu faire un attentat sur Muammar Kadhafi. Donc, c'est les punchlines entre eux. Ils se clashent. Et aujourd'hui, ils se lèvent, viennent voir. Burkina Faso, on dit à coup d'état, on dit que ceux qui sont au pouvoir là, ce sont les faiseurs de coup d'état, on ne doit pas les approcher. Mais en ce moment là, les gens défilent au Burkina Faso comme ça. L'Iran, l'Italie, les gens viennent les voir. Donc maintenant, on va parler de l'Italie. Bon, l'Italie, vous voulez aider le Burkina Faso à éradiquer le terrorisme. En quoi faisant? C'est quelle aide vous voulez apporter? Parce que vous-même là, en tout cas, la seule aide que vous pouvez apporter au Burkina Faso, c'est sur le plan matériel militaire. On a besoin des chars, les tanks, on a besoin des tanks au Burkina Faso. Si vous pouvez donner des tanks au Burkina Faso, il n'y a pas de souci. Parce que la seule aide aujourd'hui que le Burkina Faso a besoin, ce sont des armes. Des armes. Sur le plan informatique, là-bas, on va aller voir ailleurs. On va aller voir la Russie et autres. Parce que aujourd'hui, on ne veut pas que quelqu'un vienne infiltrer notre système. Mais famille, j'ai oublié de vous dire, les Bleus, énormément, poussez énormément les Bleus pour le Burkina Faso. On va écouter cette vidéo-là et après, je vais réagir. La région et du pays. La sécurité et la stabilité dans le Sahel. Au capitaine Ibrahim Traoré, Andrea Roumoussi réaffirme la volonté de son pays à accompagner le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Et sur la situation au Niger, le diplomate italien dit souhaiter une solution négociée et diplomatique pour une sortie de crise. Soutien également de la République islamique d'Iran au Burkina Faso, le président iranien Ebrahim Raisi l'a affirmé au cours de l'audience accordée à la chef de la diplomatie burkinabé. Pour rappel, Olivia Wamba séjourne à Téhéran depuis 48 heures dans le cadre de la redynamisation des relations entre les deux pays. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Sekou Zongo. Calendrier véritablement chargé pour le chef de la diplomatie burkinabé ici en République islamique d'Iran. Cette visite du ministre Olivia Wamba est empreinte de considération, d'attention et surtout de franche collaboration en perspective. Ici, au palais de Sadabad, la diplomate burkinabé et sa délégation sont reçus avec tous les honneurs par le président Ebrahim Raisi. Au cœur des échanges, des questions de défense, de sécurité et d'autodétermination. Sur tous ces sujets, la République islamique d'Iran marque son soutien indéfectible au peuple burkinabé. Mieux, le président Raisi rassure son pays fidèle à sa tradition de liberté et d'indépendance restera aux côtés des autorités burkinabées pour un Burkina Faso indépendant et libre de ses choix diplomatiques. En tous les cas, l'axe Ouagadougou-Téhéran est déjà tracé et voici les locaux de l'ambassade du Burkina dans la capitale iranienne. L'ambassade est située dans ce quartier UP de Téhéran et Rayangne Wende, Olivia Wamba visite les différents compartiments de la représentation diplomatique. Elle reçoit ainsi les assurances, tout est fin prêt et le Burkina Faso sera très bientôt représenté dans ce pays d'Asie de l'Ouest. Famille. Pendant que les gens fuient le Burkina Faso, d'après eux, ils font semblant de fuir. Vous voyez, ceux qui fuient le Burkina Faso, ils font semblant de fuir. N'allez pas là-bas, il y a du terrorisme. N'allez pas là-bas, ceux qui sont au pouvoir, ils ont fait coup d'état. Pendant ce temps, les autres pays, la Turquie, la Russie, l'Italie, l'Iran, c'est les pays du BRICS là, et tous, ils convergent vers le Burkina Faso. C'est ça. C'est de ça qu'on vous parle. Vous n'arrivez pas à comprendre. Les perdus là, c'est de ça qu'on vous parle. Mais le moment de comprendre, il sera peut-être trop tard. Au moment que vous allez vous réveiller, il sera trop tard. Vous savez pourquoi les gens ont yeux contre l'Iran aujourd'hui? C'est parce qu'on dit qu'en Iran,
C'est parce qu'on dit que c'est l'Iran qui donne des drones à la Russie pour frapper l'Ukraine. Donc vous connaissez tous les drones iraniens. Ils n'y rigolent pas. Ils n'y rigolent pas. Ils sont très dangereux. Donc les taureaux, j'espère que les taureaux sont informés de bientôt ce qui va les arriver. Les taureaux, on sait bien ce qui va vous arriver bientôt. Donc restez concentrés, vous êtes, vous continuez, on vous allume, mais vous venez seulement. Ce qui signifie que les gens veulent forcément voir le Burkina Faso à terre. Et Dieu est avec le Burkina Faso, Dieu est avec le Mali, Dieu est avec le Niger. Ils ne seront jamais à terre. Nous allons y arriver. Famille, n'oubliez pas de pousser énormément les bleus et de prendre la vidéo, envoyer à tous les panafricains, dans tous les groupes, envoyer la vidéo. Ils vont comprendre. Envoyez ça à ces gars-là. Ils vont voir, ils vont comprendre ce qui se passe. On arrive, vous les terreaux là, vous n'avez pas dit, vous êtes têtu, on arrive chez vous là-bas.